Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le cinquième épisode en Let's Play Live sur Twitch pour Pokémon version blanche. Dans l'épisode précédent, on a fait l'arène d'Ogoès. Ensuite, on est retourné au vestige des rêves. Où il y avait la Team Plasma qui essayait de faire du mal à un Muna et puis un l'évolution, Mushana, je crois. Après, bon, j'ai visité un petit peu la zone et j'ai dû arrêter le live et l'épisode assez précipitamment, et j'en suis désolé, des fois on a des petits imprévus. Du coup, j'avais capturé un Muna, on a récupéré un Flotajou aussi au vestige des rêves. C'était parce que vu que moi j'avais pris un Pokémon plante, on nous a donné un Flotajou à la place. J'ai pas de réveil pour réveiller mon Vipelière. On va regarder un petit peu ce qu'il y a par là. Muna niveau 10, ça aurait été cool. J'aurais bien aimé le capturer. Je crois que le mien est niveau 8. Vipelière. Ah ouais, ok. Vu que j'ai Muna avec moi, il peut anticiper. Ok. On va essayer de le réveiller un petit peu comme ça, notre Vipelière. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Ouh, ça peut-être me faire mal. Alors je pense qu'il y a que des Muna par ici en nouveau Pokémon. Hervénard. Ok, comme ça je peux pas lui faire de coups critiques. Plutôt une capacité assez intéressante. Ça fait perdre un tour mais ça peut sauver. Je pensais que j'allais gagner plus de points d'expérience que ça. Je pensais qu'il allait avoir un truc en haut, mais... Oh, c'est quoi ça? Un non mais oui. D'accord, je connais pas. Le design est plutôt sympa. Il est une bonne bouille, le Pokémon. Une petite charge. Normalement, je devrais pas le tuer. Ok, on a capturé. Non, mais oui. Ça, c'est bien une réponse que je pourrais donner. Non, mais oui. Bonne réponse de Normand. Pokémon de type normal. Sa capacité auditive est exceptionnelle. Il émet des sons imperceptibles pour sonder les alentours comme un sonar. Ok, donc bah je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à faire ici. À moins que j'ai peut-être un truc à récupérer là. Ok, bon, on va aller voir le professeur. D'abord, on va se soigner. Ah, et ce qui est cool, c'est que j'ai récupéré un Pokémon de psy. Mine de rien, c'est pas évident. Enfin. Pas évident. C'est quand même rare de récupérer un Pokémon Psy en début de partie. Je sais qu'il y avait le Tarsal
dans Pokémon Pokémon Ruby. Si en général on les récupère assez tard les Pokémon de psy comme Abra qu'on récupère à Azuria, enfin après Azuria et Soporifique à Carmin-sur-Mer dans les versions rouge bleu jaune. Youpi! Grâce à la brume des rêves que tu m'as aidé à obtenir, je peux amasser et donner des dresseurs. Merci beaucoup. Pour la peine, je vais te filer un Sailgear. C'est un appareil qui te permet de communiquer par infrarouge sans fil via la CWF Nintendo et Tutti Quanti. Ryo reçoit le Sailgear. Attention, désactivez le Sailgear dans les endroits où la communication sans fil est interdite, comme les avions et les hôpitaux. Non, je ne veux pas commencer de communication. Le Sailgear sera désactivé. Quand tu es tout de même, oui. Pour allumer ton Sailgear, il suffit de toucher le bouton d'activation en bas à droite de l'écran. Ensuite, tu pourras accéder aux explications du Sailgear en touchant le point d'interrogation en bas à droite. Maintenant, je vais t'expliquer le synchro-jeu. C'est un système qui rassemble des données de dresseurs, ça te dit? Non. Désolé, j'ai méga trop envie de t'expliquer tout ça. C'est grâce à toi qu'on va tous pouvoir faire des trucs incroyables. En plus, avec la synchro-jeu, on peut extraire les pensées des Pokémon endormis grâce à la brume des rêves. Et oui, avec ça, on peut amasser les données des dresseurs du monde entier. Ensuite, on a découvert un truc encore plus incroyable. Quand on endort un Pokémon avec la synchro-jeu, il se met à rêver. Et quand on le réveille, son rêve se retrouve matérialisé dans le A-Link, au centre du Nice. Top, méga cool, la synchro-jeu. Alors, t'es fan? Si ça t'intéresse, essaye d'envoyer tes données toi aussi. Tu pourras en savoir plus en allumant le PC au fond de la pièce. J'y ai rassemblé toutes les infos. Alors, va y jeter un œil. Ah, c'est toi? Merci d'avoir aidé ma sœur. Accepte ça de ma part, et sans chichi. Ryu reçoit registre ami. Ryu a mis l'objet registre ami dans la poche objet rare. En utilisant la collection Wi-Fi Nintendo, tu peux faire des combats ou des échanges de Pokémon avec les amis enregistrés dans ton registre ami. Tu sais comment enregistrer des amis? Tu peux inscrire le code qu'il te donne dans le registre ami rangé dans la poche objet rare de ton sac. Ou utiliser la liaison infrarouge du Sailgear pour l'enregistrer directement en toute simplicité. Eh ouais, plus besoin du câble Link. Ok, tout ça, je vous avoue que je m'en moque un peu, hein, vu que je ne joue pas en ligne. Et on va pouvoir avancer maintenant. Oh ce badge, il scintille de mille feux. C'est bien la preuve que t'en as dans le ventre. Allez, tu peux continuer ton chemin. Il y avait peut-être... Il y avait un monsieur en face, mais je peux pas aller le voir. Route 3. Ok. Pension Pokémon, nous prononçons de vos Pokémon. Pareil, la pension juste après la première grande ville, enfin la première arène, c'est cool. Des fois, on me laisse jouer avec des Pokémon. On va regarder. Je vais pas laisser de Pokémon tout de suite à la pension. Peut-être que je le ferai plus tard, mais... Quand j'ai récupéré mon Pokémon à la pension, j'ai vu qu'il avait pris d'autres capacités que celles qu'il avait avant. Les Pokémon ne peuvent pas avoir plus de 4 capacités, alors fais attention. Je suis hôtesse de la pension. Nous pouvons élever des Pokémon pour toi. Tu veux qu'on en élève un? Non. Très bien, à une prochaine fois. Ça peut être cool, mais je sais pas encore. Je sais pas ce que c'est, mais... Connais-tu les combats du haut? Oui. Oh, je vois que tu as déjà un badge. Tu vas donc déjà connaître les joies du combat du haut? Ah, deux Pokémon en même temps. Ouais, ouais. Ouais. Il faut fuir car je le poursuis. Ou je le poursuis car il fuit. Il y avait été échange selon le point de vue.
C'est vrai que, en fonction du point de vue, des fois on a un regard différent. À vrai dire, je suis la fille du couple qui gère la pension Pokémon, à deux pas d'ici. Et oui, toute la famille travaille dans l'éducation. Élever les enfants ou des Pokémon, quel bonheur! Et c'est presque pareil. Les garçons, c'est vraiment que des bébés. Hé, je te permets pas de dire ça. Oh non, ton équipe a l'air mal en point. Reposez-vous donc ici. Oh, elle est en forme, mon équipe. Je vis au milieu des sourires des enfants et des Pokémon. Et je suis invincible. On va voir ça, mademoiselle. Ponchio, il est KO. Je vais garder Vipélière. Je vais essayer de le monter jusqu'au niveau 16. Puis après, je sais pas, il faudra que je commence à réfléchir à qui je garde dans l'équipe. Je pense que Flotajou, je vais le garder un petit peu parce que c'est un Pokémon aquatique. Même si je connais pas les autres Pokémon eau pour le moment. C'est bien d'en avoir un au début du jeu aussi. C'est vrai que par rapport aux autres versions, comme je connais pas du tout les Pokémon qu'il y a dedans, bah je sais pas encore trop comment je vais composer mon équipe. Vous avez battu maîtresse Geneviève. Waouh, bravo, c'est bien, tu as très bien joué. Ici à Crèche, tout le monde adore les combats Pokémon. Si tu entres dans ce jardin, prépare-toi à te faire défier. Prends ça, ultra laser! Petit Conan, feuille à joue. Vous avez battu Petit Conan. Hein? Quoi? Comment? Ça aurait pu être marrant s'il lui avait mis le design de Détective Conan. Bon, par contre, là, c'est assez cool parce qu'il nous mettait un truc pour se soigner à deux pas de la ville précédente. Hé, hey, toi, le dresseur, bats-toi contre moi! Ok, je me bats contre toi. Petit Jorian. Jorian. Et je pense que la petite fille va sûrement avoir un feu tajou. Je sais pas comment on dit ça, mais. Vu qu'il y a eu le plant et là l'aquatique.
Je me rappelle plus comment on l'appelle. Niveau 16 pour Vipélière. Phytomixeur. Alors je crois que ça me dit quelque chose cette attaque. Mais comme ça je ne me rappelle plus. L'ennemi est pris dans un tourbillon de feuilles acérées. Peut aussi baisser la précision ennemie. Je vais retirer gros yeux. Vipélière apprend Phytomixeur. Vous avez battu Petit Jorian. Ah, je n'ai plus de Pokémon en état de combattre. Allez, donne-moi tes sous. En raquette des petits à la crash, quoi. Par contre, niveau 16, j'évolue pas. Surprenant. Je vais mettre Flotajou en premier pour voir. Bonjour dresseur, je vais me battre contre toi. Flamajou. Ça, c'était du combat rapide. On va unir nos forces pour combattre. Regarde bien. 1 plus 1 égale 2. Bon, il y a un petit E à égal qui est pas forcément terrible. Je mets Lia et Liz. Chaque lipan et chaque lipan. Attaque pistolet à eau. Je vais envoyer Vipélière. Ok, ça c'est fait. Niveau 12 pour Flotajou. Mais alors, les Pokémon. Ben alors, on dirait que les Pokémon sont tous fatigués. Désolé les filles. Merci de me soigner, ma petite dame. Conseil au dresseur, le Pokémon placé en haut à gauche de la liste est très important. C'est lui qui est sélectionné en premier lors d'un combat. Stop!
Nous avons tous les deux le badge triple, alors voyons qui est le plus fort. Bon, ça va, il me lance Grekki. Ah, niveau 14 quand même. Et moi j'ai mon flotte à joue en leader. Comme toujours, tu choisis tes capacités avec talent. Chaque lipan va être envoyé. Ouais, je vais changer. Je vais envoyer Vipélière. Je sais tout sur eux, je saurai tirer parti des forces de mes Pokémon. Combo griffe, ok. Fais une petite charge, Vipélière. Essaye de l'achever. Ok, il est KO. Pourquoi ? Nous avons pourtant le même nombre de badges, toi et moi. Ouais, mais bon. C'est comme ça. Je vois, tu combats comme ça. Poussez-vous, du large ! C'était quoi ça ? Bianca, où tu cours comme ça ? Dites, ils sont partis par où ? Par là. Et alors, pourquoi tu cours comme ça ? Mais, qu'est-ce qu'ils vont vite ? Bianca, il est où mon Pokémon ? T'inquiète pas, allez, pleure pas. Bianca, pour la énième fois, où cours-tu comme ça ? Écoute-moi, les types qui viennent de passer ont volé le Pokémon de cette petite. Tu ne pouvais pas le dire plus tôt ? Ryu, on va récupérer le Pokémon. Bianca, reste là et veille sur la gamine. Je vais aller me soigner d'abord avant d'aller les affronter. Je t'en prie Ryu, cette team Plasma qui a pris son Pokémon, retrouve-le. Bon, ok. On peut même pas faire ce qu'on veut quoi dans ce jeu-là. À la limite, c'est un peu mieux qu'il nous guide, mais... Moi j'aime bien me balader un petit peu avant de poursuivre la quête principale. Allez, let's go, allons affronter la team Plasma. Ils sont entrés là-dedans. Ryu, tout est prêt, ton équipe de Pokémon est en pleine forme? Oui. Bon, allons-y.
chauve-souris. Chauve-sourire. Excuse-moi, chauve-sourire, je t'affronterai peut-être plus tard. Ok, je peux pas fuir. Il a tornade. Ça peut être pas mal à capturer le chauve-sourire, choc mental, tornade. Bon, ce qui est dommage, c'est que je vais devoir retourner me soigner parce que mon flottageau a perdu des points de vie. Je vais pas prendre de risque, il est déjà paralysé. Non, je vais pas me soigner, je vais utiliser une potion ou... Psy-évol, ça peut être très très cool ça comme Pokémon. Et dans ce cas, je vais pas garder Mouna dans l'équipe. Ryu, ces types sont tellement butés que c'est à se demander s'ils comprennent le langage humain. Des enfants qui utilisent des Pokémon ? N'importe quoi, vous y avez pensé à ces pauvres petites choses? Finis-nous vos Pokémon, on les libérera aussi de force. D'ailleurs, j'ai pas pensé à aller au magasin vu que j'ai un badge. Ils nous avaient dit que dès qu'on a un badge, qu'on gagnait plus de. Enfin, on pouvait acheter plus de différents objets. J'ai pas pensé à le faire. Flottajou, go! La musique est cool. Oh, hop, hop, hop. Forcément, il fait patience quand je fais des attaques. Parce que je sais plus si je suis plus rapide que lui. Bon, je vais mourir. C'est pas grave, on envoie Vipélière. Si j'avais été plus rapide que leur attentif, ça serait passé, malheureusement. Vous avez battu Team Plasma Sbire. Oh, ah, hey, oh, j'ai perdu contre une demi-portion. La honte. Hey, je me suis entraîné, monsieur. Mais pourquoi? On est pourtant le bras armé de la justice. Ryu, tu es incroyable. Bien, vous allez nous rendre le Pokémon de la petite maintenant. C'est pas la peine de lui rendre son Pokémon. Quelle poisse! Ces gens qui ne comprennent rien se mettent tous sur notre chemin. Vous êtes deux, et nous aussi. Vous allez goûter à notre résolution, et apprendre le sens de la justice. Encore vous? Depuis quand les voleurs de Pokémon défendent soi-disant la justice? Ryu, c'est le moment de leur montrer notre légendaire sens de la synchronisation. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est que j'ai Mouna en leader, vu que Flottajou est KO.
Ça, j'attaque l'autre, donc ça devrait passer cette fois-ci. Maintenant, Goku, te protège pas. Attentif, ennemi et KO. Qui que quoi dont où? Moi, j'ai perdu Plasma! Je n'aurais jamais cru que la team Plasma perdrait contre toi. Et il nous donne presque 1000, ce qui est cool. On capture les Pokémon des humains stupides pour les libérer de leur servitude. Depuis quand les petites frappes font la loi? Je n'ai pas entendu dire que le vol de Pokémon était justifiable. Quelle qu'en soit la raison. Vous, les dresseurs, faites souffrir vos Pokémon. En quoi les dresseurs feraient souffrir les Pokémon? On vous rend le Pokémon, mais il va redevenir le jouet d'un humain. Quel gâchis. Un jour ou l'autre, vous réaliserez la folie de vos actes. Les dresseurs utilisent les capacités de leurs Pokémon. Les Pokémon ont confiance en leurs dresseurs et leur obéissent. Je ne vois pas où est le gâchis, ni en quoi les Pokémon seraient à plaindre. Bon Ryu, je vais m'occuper de rendre le Pokémon à sa propriétaire. On va retourner à Ogoès, histoire de d'acheter des objets de soins, tout ça, voir ce qu'il y a au magasin. Trop génial Ryu, toi et Chiren, vous avez réussi à retrouver le Pokémon. Je suis tellement contente d'être votre ami. Merci pour tout. Tiens, un cadeau pour te remercier. Soin ball, cool. Oh, des soins ball. Le Pokémon que tu attrapes avec elle regagne toute leur énergie. Bon, je raccompagne la petite. Alors à bientôt, Ryu. Salut. Tiens, on va regarder sur la carte. Moi je suis là. On verra un peu ce qu'il y a sur l'autre route. Mais ouais, on est vraiment à côté d'Ogoès quoi. C'est vrai que par rapport aux autres jeux Pokémon, souvent les centres Pokémon ou les trucs de soins sont beaucoup plus loin. Alors que là c'est quand même assez proche de nous. Alors qu'est-ce que t'as comme nouvel objet? Ah oui, il a vraiment d'autres objets. Les anti-brûle, anti-gel, je vais pas en acheter. Pour le moment, je vais rester comme ça. Potion, j'en ai combien? J'en ai 5. Je vais rester comme ça. Oui, je veux que tu me soignes mes Pokémon, ma petite dame. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que directement, deuxième ville, il y a déjà les Super Bowl, tout ça, moins qu'il y ait d'autres formes de Bowl. Mais... Et donc, YouTube, en tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Twitch, on continue tout de suite. Donc, YouTube, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Ciao!